jusqu'à la fin les évolutions. En plus on garde on garde ce qu'on a. Viens en bas là. Je dis direct. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Le contraste il est énorme aussi. Ah ouais, le contraste. La balle ne va pas tomber, c'est pour envoyer la balle de l'autre côté. C'est un puissant, on fait un smash. Ah, c'est un. C'est du volley quoi. Ouais. Volley boule. Ah putain. Mais. Ah mais. Non. Oh là là. En fait, on est pas obligé de rester dans le. Mais putain. Au cercle. Ah non, et pas du tout. Hein. Elle est belle celle-là au fond. Et le lob. Ah, mais sur le côté. Mais what? Mais j'appuie! J'appuie sur X! Ah, c'est pas bon. J'appuie sur X, il fait un dash, il fait un dash au lieu de. Non, sauter, c'est bizarre. Des fois, je sais pas, j'appuie sur X, il fait une vieille esquive au lieu de tuer la balle. Mais. Ah, mais attends, mais c'est une blague là, j'ai fait AX. Ah mais c'est ça les enfants. C'est une blague en fait. Non mais tu vois ce qui est en train de se passer là. Tu fais juste X ou tu mets vers l'avant? Mais je fais AX. Je fais AX. Je touche même pas au stick hein. Je fais juste AX comme il. Faut appuyer sur le stick vers l'avant. Alors, le plus simple, c'est que tu prends le ballon derrière et tu fais un dash vers l'avant. Ouais. Mal branlé, je trouve. Hein. Là, ça fait partie des je sais pas, des imprécisions que je disais tout à l'heure. Hein. C'est totalement ça, en fait. Hein. Aïe. Pourquoi elle danse la Macarena, elle veut quoi? Ces trucs violets. Hein. Des phoques. Ou des ours. What?
We'll never find them. Oh, yes, we will. Oh! Sorry, Cloud. My bad. No, wait! Look! They're hidden in the fog. You will never get the keys! Un peu ridicule, hein. Je l'ai fumé, moi. Just laugh it up, crazy devils! Cause we're about to bring it! Cody, keep hitting those clouds! Sorry, clouds! We need your tears to clear the fog! Où les clés? Ah, on a pas eu de boss, depuis Joy là. Bah peut-être le micro il considère ça comme un boss, mais ça va pas durer très très longtemps. Je sais pas. Ah, c'était scripté quoi, il y avait pas de combat. Ah, c'est dommage qu'on ait pas eu un gros boss, bah peut-être à la fin de ça. J'ai l'impression qu'il y avait un insecte sur ma tête. Il pleure, après il pleure plus. Mais c'est à toi de les faire pleurer, d'accord. Ah, il y a les espèces de... de démons là. Les faire avancer. C'est à moi de les faire avancer en fait. Ah ok. Tu les fais pleurer et moi je les fais avancer. Faut que tu fasses pleurer ceux à côté de moi là, ouais. Ah voilà, il y a la trappe là. Non, oh, les spawn kill. J'ai même pas eu le temps de bouger là. Voilà. Hop. C'est un peu bizarre ouais. Ce niveau là. Il est parti dans un truc... un truc divin. Je crois que c'est la première fois que je joue un jeu où on joue dans le paradis. Quoi. Je sais pas si c'est le paradis quoi, ou alors c'est ce qu'il imagine du paradis l'autre. Hein. Ouais, c'est quand même osé quoi. Il y a un jeu qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelait I Am Jésus-Christ. Donc, Ah ouais? Alors c'est une simulation de Jésus-Christ. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs à faire. Ah, c'est quoi ça là-bas? C'est quoi? C'est des ours ça? Pas du tout. On dirait des petits chiens. Le petit chien rose avec des ailes. Est-ce qu'on peut monter haut comme ça? Bien sûr. C'est quoi, c'est un jeu ça? Ah. La roue de la fortune.
Ah, je... Elle est bien faite, la flamme, là. Là, il y avait ça comme jeu. Là, il y a quoi? Il y a une petite maison. C'est du yoga. J'arrive. Y'a rien d'autre? Alors, il y avait juste une petite maison où tu peux faire du yoga, mais... Bon bah go, hein. Ouais. J'imagine qu'il faut trouver ceux qui ont la clé. Lui il a la clé. Il y en a un là. Lui en haut. C'est bon. Il y a lui là. Oh, on me l'a volé. Lui en haut. C'est bon. On descend. On me l'a pris juste devant, frère. La reprise, je vais péter un plomb. Comment la chope la clé? Tu l'as. Je peux pas la choper. Ah, je l'ai? Là, tu l'as. Ah, putain, t'es parti tout en bas. Je crois que je l'avais pas. Je croyais qu'il fallait que je la chope. Ah si, je l'ai encore. Ah non, il me l'a chopé. C'est quoi ce jeu là, le jeu en primaire là, qu'on faisait là? Allo prisonnier? Non, Loup? Le jeu du foulard là? Ah oui. T'avais un foulard derrière toi, il fallait choper... Ah voilà, on va pouvoir chanter là. C'est peut-être le niveau que je préfère le moins de tout le jeu. J'aime bien le petit jetpack et tout. Mais sinon le niveau en lui-même là, je suis pas trop fan. De toute façon, tout ce qui est paradis, t'aimes pas toi, tu préfères l'enfer quand c'est tout rouge et tout. Non, c'est même pas une question de ça, tu vois, c'est juste, je sais pas, c'est... À jouer à God of War, là tu vas voir Hades. Je trouve pas ça très inspiré. Je trouve ça singulier, ouais, c'est pas un truc. Ça sort un peu de l'ordinaire de jouer au paradis, mais. C'est pas une claque en tout cas. En fait, le paradis, je vois pas où il s'imbrique dans la maison en fait. Ouais, tu vois. Je comprends pas non plus. Chaque pièce, tu sais que t'es dans la maison, dans un objet ou dans quelque chose, mais là tu sais pas en fait. Je probablement. Et bon, comme ça, je kiffe. Oh. Ah. Tu es sur Y, toi? Look at Rose. She's tiny there. Ok. Ah, c'est sympa cette photo là. Qui? On dirait des vrais acteurs.
Mais genre, on dirait des vraies personnes et des vrais lieux, mais en peinture, quoi. Oh, pas mal. Ah. Course de fond. Ah oui, c'est celui-là. Ça, c'est, je crois que c'est le dernier. Vous pouvez trouver. Ah, c'est droite, gauche et sauter. Ouais. Ça c'est un peu comme les Temple Run et tout là. Ok. Il court tout seul devant ? Ouais. Ça ah, c'est parce que je suis arrivé à l'arrivée. Okay. On a touché aucune. Vas-y, revanche. T'as touché aucune truc. Ça, c'est mes jeux, ça. C'est fait pour ça, hein. Des courses de fond. Oh, je suis con. Je reprends la manette entre les mains, j'appuie sur B au lieu d'Y. Et si on a aucun de nous qui touche le truc, ça fait faire égalité. Ouais, je pense. Bon, déjà, je me suis pris un truc déjà. Ouais. J'ai rien. T'es juste là. Ah, tu t'es tapé un truc à la fin. Ouais, j'en ai tapé plein à la fin. Attends, je vais juste monter. Oh. Sur les ah bah attends, il y a les échafaudages de nos royaumes. Ah, my back. Il est où Andrew Garfield? Andrew Garfield, il est tout en haut. Il y a des trucs en plus. J'espère qu'il y a personne qui regarde ça et qui a pas vu le film. Tu vois, il y a un mec qui se fait spoiler sur No Way Home, sur une vidéo It Takes Two qui fait 10 vues. Il se donnera jamais à nous. Pour... Je peux rien pour vous. Attends, celui t'avais un jeu avec avec ma vidéo. Ah non. Il y a un truc qui est apparu là. Ah ouais. Attends. T'es sûr? Ah. Ah, attends, faut lire ça. May, I miss you. Long for you every minute of the day. It's fine when I'm missing you. I must mais c'est parce que j'étais pas loin du course de fond, c'est pour ça. First time I read you. Everything I knew, you were the one. Thank you for bringing me. And so, make it know. Whole thing. I'm always fine. Yeah. Ah, petite déclaration d'amour de Cody. Ah. Ah mais c'est le... Putain, comment ça s'appelle ça? Persimmon. Merde, j'arrive. Il y avait un autre nom sur ça, non? C'est pas le... Comment on appelle ça déjà? Oh! Je suis pas sûr n'importe quoi. T'as relancé.
Non. Mais faut faire quoi là? Faut appuyer dans le, sur le truc dans l'ordre. Mais faut qu'on soit tous les deux dans le même truc. Vert. Non, non, du tout. Faut faire vert, vas-y. Lève-toi. Vert, blanc, bleu. Vas-y, fais vert, blanc. Oh, là. Oh non, ah, putain, je croyais que c'était... je croyais que c'était blanc, blanc et vert. Bon bah. Ah merde, regarde, Zendaya est en train de tomber là. Ah, ah sympa là. Hey, hey, buddy, over here. What's up? Can you let us in? Sorry, kids. No minors. Kids? No, 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 no. We're just small in size. That's all. Je pense que ce soir, je vais me regarder Whiplash, tiens. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. Voyons. You have some ID? Oh, no, we left it at home. That's what they all say. Yo, yo, glow stick, there with me. Dr. Akeem, my bro, they're with you? Yeah, 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 they're my clients, come on. Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. VIP's coming through. Not so cocky anymore, are ya? Huh? 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 Let's dance! C'est la méga teuf. Là, là, c'est soit du Mario, soit du Rayman. C'est la route arc-en-ciel. Dommage, il a pas fait un Mario Kart là. Ouais, genre, tu joues une petite voiture. Ouais. En vrai, c'est ça, il aurait pu là, tu mets juste des petites voitures, c'est la route arc-en-ciel. Hein. C'est pas autant élaboré que Mario. Mais... Non, je suis tombé, putain. Par contre, c'est pareil, regarde, il vient de nous rechercher pareil, tombe. C'est pas avec le petit fantôme là? Attends, fais voir. Ah si, c'est comme le petit fantôme, mais c'est... là c'est le Dr. Akeem. Ah ouais, c'est avec le livre. Bah ouais, bah la référence à Mario, putain il aurait dû mettre des voitures pour aller à fond dans le truc là. Ah mais y'a les boosts et tout, oh là là, mais il aurait vraiment dû mettre des voitures, pourquoi il a pas fait ça? Ah mais des petites cartes là... Comment ça m'a... je peux passer à travers moi? Voilà, c'est bien mieux quand on ride ensemble. Ride toute la night. Oh! Ah! Ah, il est dans une spirale!
Ah, j'arrive pas à m'en sortir là. Reste sur une paroi. Voilà. Là, j'allais être bloqué pendant 2 heures là. Oh merde. Je pense que je devais le taper ça. Oh non. This is the weirdest nightclub I've ever been to. Weirdest and most awesome ever. Ouais. Ah. Oh, il est dur ce niveau. Ah. Je m'en souviens. Tu sais pourquoi je m'en souviens? Parce que t'étais en train de jouer à Code sur Piccadilly. Tu rageais pendant qu'on jouait à ça. Piccadilly? Ouais. Je crois. Mais en 2021, je jouais pas à Modern Warfare en 2021. J'ai craqué, gros. Je sais pas d'où je sors ça, mais. Je vais sortir Piccadilly. Mon dernier phare, je l'ai vendu en 2019. Ah, je devais jouer à IW4X. Je suis en train de penser les jeux là, le petit bac et tout aussi, ça un peu le stream ça. Ah ouais. Bon après des fois on dit des trucs là-dedans. Hein, vaut mieux pas. Si on fait ça avec tout le monde, ça va vite partir en. Là, attention, ouais. Après, moi ça, je m'en fous, hein, mais c'est. C'est que c'est. Enfin, aujourd'hui, c'est tellement surveillé les trucs. J'ai pas envie de me faire supprimer la chaîne ou un truc comme ça. Après, alors, on peut le faire, mais il faut supprimer les rediffs, quoi. Après bon, on n'a pas une chaîne assez, on a que 21 followers. Hein, oh, comment ça? Ça fait chier de comme de faire supprimer. Hein. Mais merde. Et je me souviens du boss. C'est le boss final ça? Non mais je me souviens qu'il y a un boss. Ah j'espère, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de boss là. Il est là. C'est ça les boss? Et le boss. La custom le boss. Ah non c'est pas un boss, j'ai rien dit. Ah bon. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks! Hey, Cody, May! Play some music! Make them dance! Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude, seriously, I think you're scaring them. No way, baby! I'm killing it! Can't you see my hip gyrations? Woo! Oh, please stop. Oh, please, no. Woo-hoo! Oh my god, my moves are so good! Look at this, right, left, but... To make the audience dance, you need to play the music. Get the audience on the floor. Let's DJ, baby. Woo-hoo. Oh boy. Hopa. All right. Let's figure out this DJ thing. I'm sure we can make them dance again. Ah, c'est dur. Oh là là. Les heures sombres de GTA San Andreas.
Ouais, il y avait un truc comme ça. Ouais, il y en avait 3 ou 4, des trucs comme ça. Putain. Dans les autres GTA aussi je pense, mais San Andreas c'est où je me rappelle il y avait une puce des trucs comme ça. Ah là ça fait ambiance années 80-70. Avec la musique et tout là. Là le niveau, ça fait encore plus tâche vu qu'on est revenu dans un truc comme ça là, le niveau du paradis, je me dis non, qu'est-ce qu'il foutait là, là. Et là, là on est sous drogue là en fait depuis 10 minutes. Ah, peut-être, il était pas à jeun, je pense, quand il a fait le dernier, les derniers niveaux. Ils se sont dit, c'est la fin, là, ils étaient fatigués. Ils ont fait des ils ont fait des rêves, des hallucinations et tout, ils sont dit, bon, on va faire ça. J'avoue que quand je tourne, ça me fait mal aux yeux. Hein. Je fais un 3-6 complet. Ah, quand tu fais que tourner, là. Je fais que ça, Ben. Fais que tourner. Et là, on est dans les trous noirs. On est dans. Là, ils sont partis dans le. Maintenant on est dans les trous noirs, l'espace-temps, on est dans Interstellar là. Oh là là là, bah ça y est, on traverse les trous noirs. Les dimensions parallèles. On va voir notre nous d'avant. Oh là là. Oh mais la mais gros c'est une référence à 2001 ça. Une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace ça. Ils ont craqué complet. Are you ready for your performance, May? Are we still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. Woo! You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that will make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May, break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No. Just sing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Oh.
te laisse jouer, non ? Ouais, je me suis en train de remarquer que les textures elles sont incroyables. On passe en mode TPS. On peut pas courir là, faire les esquives. Le mec, putain, trop chiant. Ah merde. Whoa. This is gonna be special. Pas beaucoup de gens. Hein. Ouais, ça, c'est des tubes à lumière. Toi aussi t'entends un cœur battre ou c'est mon vrai cœur que j'entends ? J'ai pas l'impression d'entendre. C'est inquiétant quand même. Non, c'est bon, c'est le jeu. Parce que la manette elle vibre en même temps. Encore un moment horrible. Ça fait 12 heures qu'elle dort là. You can listen to it when you feel better. I love you, Mom. Can do this, May. I know you can. Thank you.
C'est la BO du prochain Horizon. Ah, c'est ça le. Et du coup, attends, c'est le remède ça du coup? Bah, juste qu'elle chante. Non, pas juste le chant, qu'en gros elle refasse sa passion, que lui aussi, que machin. Ouais, un petit bisou à la fin. Voilà. C'est tout. J'aimerais un peu plus qu'un bisou, moi d'ailleurs. Attends, je sais pas si tu sais, mais dans A Way Out, à la fin du jeu, un truc comme ça où t'as un plan, les deux pareils, enfin pas pareil, mais genre deux autres situations et tu dois appuyer sur la même touche et tout. Bah alors, on se réconcilie ou pas? T'as raison, t'imagines, toi, moi je change de jeu, frère. Allez, quitte-le. Bon, allez, 1, 2, 3. Je veux plus trop. Du coup, ils vont s'embrasser, ils vont redevenir humains. Ah! On s'approche, on s'approche. Ah, je sais pas. J'hésite un peu, gros. Ah! 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 Allez, ah. Viens là, mon gros cochon. Ah! 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 Ah non! Ah! Ah! Ah, juste avant! Non! Quoique! Ah! Ah, je sais pas, je pars où en vacances, Ben? On part où en vacances? Ah non! Ah, mais c'est. Attends, mais faut maintenir. Faut maintenir 2 heures ou quoi là? Viens, on arrête juste avant le bisou. Merci pour le stream. Allez, on arrête juste avant. C'est mignon. Le sortilège est brisé. Y'a pas de boss final quoi, putain! En vrai, y'a pas de méchant, y'a pas de gros méchant au final. Bah ouais! Moi, je m'attendais à un gros boss et tout à la fin, même pas. T'es sûr. Salut, docteur Hakim. Ah, je suis déçu, je m'attendais à un boss et tout. Ouais. Ils ont pas eu la quatrième lettre, Orso. Ouais. Ah, on la verra peut-être après. Cody, May, it worked. Yeah, yeah, we're back. J'ai préféré. I don't know. Je trouve qu'ils avaient plus de personnalité en petite marionnette. Ah voilà.
letter. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. We should be friends. I love you, Mum. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh, no. Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. En fait, la solution, elle était... C'était la petite fille, en fait. Depuis le début, elle avait le truc dans son sac. So, Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. It took two. Voilà le jeu de l'année 2021. Bien. Je sais ce que tu vas dire. Ah, t'applaudis ? Et on t'entend pas, hein. On t'entend pas applaudir. Tu veux qu'on t'entende applaudir ? Si, putain, on t'entendait, je suis con, j'ai juste coupé le son du stream. Vous me dites si c'est fort, hein. Non, franchement, chapeau, bravo. Ah, pour le coup, là, le prochain jeu qu'ils vont faire, je vais être vraiment hypé, hein. Chose après, non? Non, mais ce que je viens de voir, c'est la taille du crédit, comment il est cool. Ouais, bah ouais, il y a personne, gros, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf, il y a personne. Il y a plus de voix additionnelles que de personnes qui ont travaillé sur le jeu. Motion capture. Bon, est-ce qu'il y a un truc après là? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Oh. Voilà,
On a la réponse. Si on fait continuer, ça fait Take quoi tout, jeu de l'année, mérité. Voilà. Ouais, bah non. Pour conclure sur It Takes Two, oui. Jeu de l'année amplement mérité. Mon coup de cœur perso de l'année. Mon jeu coop ever. Honnêtement, c'est le meilleur jeu coopératif que j'ai fait. Je pense que c'est quasiment sûr, parce que comme je disais, je réfléchis à d'autres jeux, mais je vois pas d'autres jeux où j'ai pris autant de plaisir en coopération, à part si c'est les Call of vraiment à l'époque, à l'ancienne. C'est même pas coop, mais, non, y en a les pas. Call of. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est plus multi-général, mais... Non, franchement, niveau coop, comme ça, je vois pas. C'est vraiment le meilleur que j'ai fait. Après, le jeu, il est pas... il est incroyable, mais c'est pas parfait non plus. Moi, j'ai des petits défauts, quand même. Je pense que je vais d'abord dire ça avant d'aller sur les points positifs, comme ça, c'est déjà fait. Au niveau des points négatifs, pour moi, le plus gros point noir, c'était... j'en avais un, et après, j'en ai eu un autre, juste après. Déjà, c'est le côté technique, parce que je sais pas si toi, t'as eu ça aussi, mais moi, le jeu, il a beaucoup ramé. J'ai eu très très peu, vraiment très peu. Pendant les cinématiques et dans le gameplay, quand il y avait beaucoup de choses à l'écran, moi, ça ramait pas mal souvent. Donc, je sais pas si c'est dû à la console, ou si c'est dû à la masse next-gen, l'optimisation. Donc, je sais pas. Toi, tu m'avais dit que sur Xbox One, t'avais pas eu de ce problème-là. Souvenir, j'avais pas eu de truc comme ça, ça m'avait pas choqué, en tout cas. Mais ouais, je sais pas. Donc c'est un peu bizarre. C'est dommage. Parce que le jeu, il est pas si fluide que ça. Déjà, c'est pas du 60, c'est sûr. Ça vise le 30, mais on est jamais vraiment en 30. On est plus entre 15 et 25 que 30 FPS constant. Ah, non, t'abuses. Stable. Justement, on est à 30 tout le temps. Ouais, c'est... Moi, quand ça rame, je suis pas en 30 FPS. Hein. Oui, mais quand ça rame, sinon c'est constant. Non, c'est 30 minimum. Si. Après, voilà. Bon, y a des petits détails, mais bon, après, c'est pas si grave que ça, parce que bon, c'est arrivé une fois et c'est très rare. Je prends l'exemple de la tour infernale, par exemple. Pour moi, c'était le pire passage du jeu. Pourquoi ? Parce que bah déjà la caméra, je sais pas ce qui est branlé, la caméra elle faisait n'importe quoi. Bon, c'était juste sur ce passage, sinon la caméra elle a pas fait défaut, mais c'est juste sur ce passage là où elle faisait n'importe quoi. Et les petites imprécisions aussi dans les sauts. Bon, après je me demande, comme tu me disais, si c'est pas à cause d'un petit lag qu'il y a. Si, pour moi il y avait un petit décalage. De l'écran splitté, donc je sais pas si c'est à cause de ça. J'imagine que oui. Sinon ouais, les petits décalages, mais bon, ça arrive, c'est arrivé une fois, donc c'est pas, je sais pas prendre forcément ça en compte. Après les musiques aussi, c'est dommage au niveau des musiques. Il y a des bons thèmes quand tu finis les niveaux. Ouais. Sur les dernières phases de chapitre, t'as des grosses séquences avec des musiques épiques. C'est dommage qu'on les entende pas plus que ça et qu'elles soient pas plus présentes dans les autres niveaux. On a juste une musique épique, j'ai l'impression, à la fin d'un chapitre, mais sinon, la plupart du temps, on va avoir des petits accords d'instruments ou des petites ambiances sonores, mais pas plus que ça, tu vois. C'est dommage qu'il n'y a pas vraiment de thème, de thème marquant à ce niveau-là. Et aussi, du coup, je vais finir sur les points négatifs. Le plus gros défaut pour moi du jeu, et je trouve ça vraiment dommage, c'est... Tu vois, dans un couple, on part du principe où quand un couple est tout le temps ensemble, forcément, au bout d'un moment, ça explose, tu vois, ça implose. Ils ont besoin, chacun a besoin de son espace, chacun a besoin de respirer, chacun de son côté, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça dommage qu'on n'avait pas eu plus de niveaux où on était séparés tous les deux. Et qu'on n'ait pas eu des niveaux en entier où on fasse notre truc chacun de notre côté, qu'on se retrouve à la fin, parce que je trouve, moi, que ça aurait amplifié justement le sentiment de distance vu qu'on soit séparés, et de rattachement quand on se retrouve à la fin du niveau. Et ouais, j'ai trouvé ça dommage qu'on ait eu pas plus de niveaux de séparés, parce qu'il y a des moments où on est séparés
Mais c'est rare, et encore une fois, ça doit arriver. Minutes, hein, même pas. Ça doit arriver, ouais, 3-4 fois, mais ça dure, ouais, 5 minutes, même pas, tu vois. Mm. Et moi, j'aurais bien aimé avoir des niveaux en entier où on est séparé du début à la fin et qu'on se retrouve juste à la fin du truc. Et je sais pas, ça aurait été un peu plus. Rajouter un truc en plus, je trouve, à leur relation. Donc ouais, pour moi c'est le plus gros défaut du jeu avec le côté technique, les ralentissements que j'ai eu. Après encore une fois, ça aussi c'est des détails, mais par exemple, je sais pas, tu vois, je prends l'exemple de la végétation, elle est pas, bon, c'est un peu dégueulasse, il y a des textures qui sont jolies mais il y en a qui sont pas super belles non plus. Mais bon, après, sur un jeu comme ça, est-ce que j'ai vraiment envie, on a vraiment envie de juger le jeu sur ça, quoi? Je pense pas, parce que après il y a un style graphique, donc ça je sais pas, je trouve les points positifs du jeu, ils prennent tellement le dessus sur les points négatifs qu'au final voilà. Mais bon, si je dois vraiment ressortir des points négatifs, ça serait la musique trop peu présente, les phases où on est séparé qui auraient dû en avoir beaucoup plus, et les ralentissements que j'ai eu plusieurs fois dans le jeu. Après, le reste, pour moi, c'est parfait. Hein. Moi, franchement, j'ai jamais vu un jeu aussi diversifié, aussi différent, qui se renouvelle autant du début à la fin, dans tout, que ce soit dans le gameplay, dans les situations, dans les décors, dans le level design, dans l'ambiance. Ça se renouvelle tout le temps. Toutes les 5 minutes, t'as un nouveau gameplay, t'as des nouvelles mécaniques, t'as un nouveau système de jeu. Et moi, franchement, honnêtement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans un jeu, que ce soit un jeu solo, un jeu coop. Après, il y en avoir des jeux qui se diversifient beaucoup au niveau de ça. Mais c'est vrai que moi, perso, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est vraiment. Je salue vraiment le travail, parce que pour moi, ça, c'est vraiment la définition d'un jeu vidéo, tu vois. On me demande c'est quoi un jeu vidéo, bah pour moi ça fait partie, tu peux le mettre dans la catégorie, ouais, ça c'est vraiment un vrai jeu vidéo. Ça. Tu t'évades, et tu repars en enfance, tu rigoles, tu rages, c'est possible, ouais, de rager. Bah moi franchement ça m'a surpris, parce que j'ai ragé une seule fois, c'était le coup de la tour là, mais à part ça, je me suis énervé zéro fois sur le jeu. En 12 heures, mais juste une fois là sur la tour, et c'est très rare que, que je m'énerve pas sur un jeu, c'est rare, mais là franchement, je me suis surpris moi-même à pas plus rager que ça, parce que bah, c'est tellement jouissif en fait, la prise en main, le jeu, même. Bon, après voilà, c'est pas une histoire incroyable, tu vois, c'est pas un truc de ouf au niveau de l'histoire, mais en fait le truc c'est que les personnages, ils sont tellement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement subtil, c'est tellement attachant que ça pose pas de problème, tu vois. Les personnages, c'est censé être des adultes, on s'attache plus à leur version poupée qu'à leur version adulte. Alors clairement, par contre, les adultes, je trouve, ils ont aucune gueule. Ouais, c'est ça, tu vois, mais c'est trop, moi je trouve ça trop intelligent, le fait là, leur mettre en forme de poupée, leur faire traverser toutes les parties de la maison, tous ces objets, tous ces trucs là, et c'est super bien fait, je trouve, super super imbriqué. En plus le flow du jeu passe tellement bien, c'est comme quand t'es en écran scindé et que tu passes en écran en full screen. Bah, tu te rends même pas compte des fois que tu te passes en full screen, tellement c'est super bien, ça glisse super bien, tu vois. Y a des moments, si tu m'aurais pas dit ouais là on est en écran en full screen, je me serais même pas rendu compte qu'on était en full screen, tu vois. Il y a un autre truc aussi, c'est que la gosse, on la voit 5 fois et je trouve on a de la peine, genre c'est bien. Ouais, mais c'est bien fait, parce que c'est vraiment intelligent, c'est super bien, c'est bien écrit, c'est bien fait. C'est pas parce que ça aurait pu tomber dans le cringe un peu, le trop gamin, le trop nanar, tu vois, mais en fait pas du tout, ça reste à la limite. Ça reste à la limite pour que tout âge puisse s'imprégner du jeu, tu vois, que ça soit les enfants, les adultes, les ados, les jeunes parents, tout le monde, tu vois. Mm. Et je trouve qu'ils ont trouvé le bon équilibre, la bonne stabilité pour tout le monde, tu vois. Et tout le monde peut comprendre le jeu à tous les niveaux, et franchement, c'est top. C'est vraiment top. Et franchement, je me suis pris une grosse baffe. Après, c'est vrai que sur la fin,
ça retombe un peu. C'est pas aussi enthousiaste, comment on peut dire ça Je vois ce c'est que tu pas veux aussi, dire, mais j'ai pas le mot. Il y a pas autant d'enthousiasme dans la fin que sur le début, mais c'est, les niveaux de fin sont très bien. Le, la seule chose que je peux reprocher au niveau des niveaux, moi je les ai tous aimés. Ils sont tous bien, sauf le niveau là du paradis. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire parce que c'est au milieu d'un truc de musique, tu vois. Après bon, il y a le délire orchestre et tout, tu vois. Mais je pense qu'il y avait une autre façon de faire ça. Tu vois, à la place de faire un truc dans le paradis, pourquoi ils ont pas fait un truc, je sais pas, dans un opéra par exemple, tu vois. Ils auraient pu faire un niveau opéra. Un truc comme ça, mais je sais pas, j'ai pas compris, je trouve que c'est un peu un cheveu au milieu de la soupe, ce niveau. Mais sinon, tout le reste, tous les autres niveaux, il y en a aucun que j'ai trouvé nul ou mal fait. C'est parce que t'as pas le temps de t'ennuyer, tu vois. Que le Joseph Fares, il sait à quel moment tu peux te faire chier et tu peux t'ennuyer, mais juste avant que tu aies ce sentiment-là, que tu ressentes ça, eh ben, il te fout un nouveau système de gameplay, il te fout un nouveau truc, un nouveau niveau, une nouvelle façon de jouer, et du coup, tu t'ennuies jamais, t'es toujours sur le rail. Et bon, juste à la fin, où voilà, ça ralentit un peu. Mais sinon, sur 12 heures, c'est énorme, tu vois. C'est énorme. Qu'est-ce que je voulais dire Non, bah voilà, franchement. Grosse surprise. Ouais, grosse surprise, masterclass. Franchement, chapeau, bravo. Excellent. Moi, j'attends vraiment le prochain jeu qu'ils vont faire là. Ça va vraiment m'intéresser. Je sais pas ce que ça va être du coup. Hein. Ouais, je sais pas, mais je me demande, tu vois, ces mecs là, si tu leur donnes plus d'argent, plus de moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Là, je me dis, imagine un jeu comme ça. Où tu peux jouer à plusieurs, à 3 ou 4, avec un visuel qui ressemble à, je sais pas, à un Disney ou un Pixar, tu vois. T'imagines ? Ça serait ouf. T'imagines un jeu fait par eux, avec beaucoup de moyens, qui ressemble à Kena. Graphiquement. Ouais, c'est ça que j'avais en tête, ouais. Franchement, ouais. Franchement, un truc à la Kena, en coop, où tu peux jouer à plus que 2, 3 ou 4, bah là, laisse tomber, là, c'est... C'est plus que le jeu de l'année là. S'ils restent dans leur ligne directrice, tu vois, c'est pas besoin de. Bon, y a pas besoin d'en faire plus, d'en faire moins, franchement. C'est très bien comme ça. Et non, franchement. Ouais. Bon, je sais pas si toi t'avais des choses. Non, bah t'as dit un peu. Hein. Enfin, de toute façon, je l'avais déjà fait. Ouais, donc, c'est vrai. Bah, je vois, savais aussi. Mais même en le redécouvrant, c'est toujours aussi bien. Parce que j'avais oublié des trucs en plus. Ouais, en plus t'as oublié des trucs, t'as découvert des choses que t'avais pas vues la première fois. Et du coup, non mais ça c'est bien ça, tu vois, de... C'est là que tu vois des bons jeux, tu vois, quand tu refais le jeu encore une fois et que tu prends autant de plaisir que la première fois, c'est que le jeu est très bon, quoi. Après, moi c'est vrai que perso, refaire des jeux, ça m'arrive très rarement, même quand j'ai surkiffé un jeu. Ah mais là, je l'aurais pas fait seul, c'est parce que c'est un jeu coop. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme tu m'as dit, on peut pas le faire tout seul. T'es obligé de le faire avec quelqu'un. De toute façon, après, comme on disait, c'est typiquement. Ça, c'est typiquement un jeu à stream, à faire à deux. À faire à deux, mais en vrai, quoi. Tu fais ça avec un ami. Mal, hein. En vrai, ça doit être pas mal. Avec un pote, avec ta copine, avec ton gars, sur un canapé dans le salon. Franchement, tu dois prendre un gros plaisir à faire ça. Après, tu t'embrouilles dans la vraie vie, ouais, mais pourquoi t'as pas fait ça à ce moment-là? Ah, mais justement, c'est ça le côté intéressant, c'est que... bon, je sais pas si ça a aidé des couples ou des jeunes parents à mieux s'entraider, mais ça peut être sympa, tu vois, le temps d'une dizaine d'heures, tu vois, tu fais ça avec ta compagne ou ton compagnon, et puis... moi, je pense que tu passes un bon moment, quand même. Hein. Je vais juste dire un truc, j'aime bien... Le fait de voir un chef de studio et tout, autant s'impliquer dans le travail. Ouais, mais c'est un bon personnage. Hein. Parce qu'il fait Dr. Hakim. Ouais. Sur le jeu, il doit superviser plein de trucs. J'ai pas regardé dans le crédit ce qu'il faisait d'autre. Et bah, sur
Sur A Way Out, celui qui fait Vincent, c'est son frère. Ah ouais ? Ouais. Celui qui fait. Je crois qu'il s'appelle, il s'appelle Vincent, c'est ça ? Ouais. Il y a. Non, même, a même au niveau du. Même au niveau du faciès, son frère il s'appelle. Bon, c'est bizarre, son frère il s'appelle Fares Fares. Il a le même prénom que le nom de famille. Okay. Et lui, c'est un acteur, et du coup, il a pris son frère pour jouer Vincent sur A Way Out. Ok. Mais c'est bien parce que, en fait, tu vois, ces trucs-là, parce que A Way Out, c'est un peu. Bon, c'est un peu. Ça tourne autour de la. La... Aussi. Ça, ça tourne autour de la vengeance, de l'amitié, la vengeance, la confiance. Mm. Et It Takes Two, ça tourne plus autour de, des liens de l'amour, la famille, etc. Et tu sens que c'est des trucs qui sont sûrement en lien avec sa vie personnelle à lui, tu vois, et qu'il a retranscrit, qu'il retranscrit dans ses jeux d'une façon super ludique, intelligente et bien foutue, quoi. Du coup, je vais aller regarder sa, son Wikipédia, voir un peu ce qu'il a eu dans la vie, connaître le prochain jeu à l'avance. Je sais pas. C'est, ouais, c'est quand même sorti. Ça fait décembre, ça fait dans 3 mois, ça fait un an déjà qu'il est sorti ce jeu. Hein. Ouais. Il est sorti en mars 2021. Là, c'est dans 3 mois, ça fera un an. Donc ça. Date, ça passe vite déjà. Attends, Way Out, c'était quoi, 2018 ? 2018, ouais. Il est sorti en 2021, 3 ans. Ouais. Donc peut-être dans 3 ans, on aura un nouveau jeu. Ah, moi, je me dis même peut-être. Comment ? E3 prochain ou un truc comme ça, peut-être une annonce. Ouais. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Toi, si tu mets une note, tu mettrais combien, toi ? Sur combien ? Sur, ouais, je sais pas, sur 10, sur 20, sur 100. Sur 10, sur 100. Sur 100, je lui mets 87. 80. Ah, t'es précis, toi. Non, mais je veux dire, tu vois, c'est 85, je trouve ça un peu bas, genre, tu as 8,5. Bon, remarque, ça fait 17 sur 20, tu vois. Moi honnêtement bon allez sur 20, mais sur 20, qu'est-ce que tu mets combien sur 20? Sur 20, 18. 18. Et tu vois les deux points en moins, c'est sur des fois le manque tu vois, il y a les musiques, c'est pas tout le temps. Des mini bugs de jump des fois. Et tu vois, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bug de collision, il n'y a pas de bug de. Tu sors de la map, t'es bloqué comme un débile là. C'est vrai que des fois, j'ai eu du mal à. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer de monter des trucs et ça, il veut pas s'accrocher, tu vois. Il s'agrippe pas des fois. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois ça. Mais bon, ça fait partie des imprécisions dans les sauts et dans. Pour moi, c'est et ça. Et bon, ça vient pas gâcher le. C'est ça, c'est le côté un petit peu à la fin où j'ai l'impression ils ont tout donné au début pour happer le joueur. Ouais. Et après, Après, c'est avec l'histoire, mais je veux dire, ça se repose peut-être un peu trop. Je sais pas, peut-être que je voulais un truc. Ouais, c'est vrai. Non, mais on est deux à avoir ce sentiment qu'à la fin, ça retombe un peu en intensité. Après, qu'est-ce que. Mais sans que ça soit nul, hein, ça reste quand même super. Non, mais c'est juste c'était trop bien quand même. Quand tu compares au début, c'est vrai que voilà, c'est moins. Ça prend moins. Après, peut-être que quand même les mécaniques revenaient tout le temps. Genre, tu vois, du 2D où il y en a un qui doit aider l'autre. Bah, le truc, c'est que fondamentalement, en fait, on fait tout le temps la même chose. C'est qu'on va juste avoir des objets et des façons de le faire différentes. Mmh. Mais au final, c'est tout le temps de « moi, je t'aide, tu m'aides, je t'aide, tu m'aides, je t'aide, ouais, je t'aide, ça, tu m'aides. » C'est le principe du large coop aussi, ouais. Et ça, au final, c'est, on fait tout le temps c'est le même principe, tu vois. Dans le fond du truc, c'est le même principe. C'est juste que les façons de faire et les mécaniques qu'on a en main, elles sont tout le temps différentes. Et c'est pour ça qu'on a tout le temps l'impression qu'on fait, on fait tout le temps des choses différentes. C'est très bien comme ça, moi ça me va. Ah mais moi aussi. Hein. Bah, écoute, 18, moi franchement, je mettrais aussi pareil, hein, 18. Hein. 18, ouais, 17, 18, plus ouais. 18, c'est bien comme note, je pense, 18. Ouais, 17, c'est un peu bas. 18, ça mérite... tu vois, pour moi, 18, c'est une note de GOTY. Ça peut passer en note de GOTY. Ouais, moi, 18, c'est pas mal, ouais. Franchement, 18, c'est une bonne note. Par contre... 18, ça fait 90 sur 100. Ça fait 9 sur 10. Donc ouais, c'est pas mal. Hein. Leur prochain, tu vois, leur prochain, je vais le faire direct aussi. Ouais, bah, moi aussi. Hein. Par contre, j'espère sincèrement que ce sera plus que deux. Ou alors ça serait bien.
Parce que tu vois, deux, imaginons deux personnes dans la réalité, l'une à côté de l'autre, devant une télé, c'est plus facile à faire que ouais. trois, tu vois. Je me demande s'ils prennent ça en compte aussi. Ou alors qu'ils rajoutent des trucs, tu vois, par exemple, ils ajoutent plus de narration et ils ajoutent, je sais pas, par exemple, des choix, tu vois, tu peux faire des choix. Oh, pas mal, ça, ouais. Ça peut être pas mal, tu vois, de rajouter des choix. Après, ça dépend. Est-ce que il va rester dans un truc, il va partir dans un truc plus réaliste comme A Way Out ou un truc plus, plus fantasy, un peu. Ah, le truc, c'est qu'il a fait les deux. Textu, tu vois. Ouais, il a fait les deux. Il a fait les deux, mais après, qu'est-ce que ça peut être? Et le thème, ou je sais pas, ça dépendra. Hein. À voir, mais 18, c'est très très bien. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'attends, tu vois. Ce qui est bien, c'est que là, on a fait un jeu coop de ce style. Style vraiment pur coop, pur coop. Le prochain en février, ça va être Dying Light. Et ça va changer de style de coop. Et peut-être que j'apprécierai encore plus Dying Light, du coup. Que du coup, bah, le dernier jeu coop, je l'aurais pas fait comme ça. Moi, au contraire, il va falloir vraiment mettre la barre au niveau de le prochain jeu coop. Ah bah oui. Parce que là, clairement, si dans les prochains jeux coop, déjà, à mon avis, tu vois, un jeu comme Dying Light, ça sera pas autant diversifié, autant différent que It Takes Two. Après, ouais, il y aura toujours leur truc de compétences où quand tu seras niveau 16, t'auras le grappin enfin, ensuite le delta plane, ensuite les cordes. Ça va rester quand même très très basique. Comme jeu, bon, il y aura des nouvelles mécaniques, tu vois, heureusement. Mais rien que les choix et les choix qui sont importants, ça c'est déjà bien. Ça va, c'est un jeu très très basique. On va voir jusque où, mais. Donc, ouais, faudra voir. De toute façon, en 2022, il y a tellement de jeux qui sortent et tout, donc il y aura de quoi faire. J'ai plus hâte de 2K22 que. Aïe, Dying Light. À 2K23, du coup, non. Mais quoi? Non, WWE. Hein. Ah, t'avais dit 2K, je crois que tu parlais du jeu de basket. Ah oui, WWE, 2K22, c'est pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je pensais que tu parlais du jeu de basket. Non. Là, d'avoir regardé le catch hier soir, ça m'a trop donné envie de jouer au jeu. Même si j'étais... Bah moi, ça... Moi, les jeux de catch, le dernier que j'ai fait, c'était SmackDown vs Raw 2011, en 2011. C'était il y a 10 ans. Autant ? T'as pas retouché depuis ? Non, j'ai jamais retouché un jeu de catch depuis 2000. De toute façon, même si tu touches au 2019, au 2018, ou 2020, ou je sais pas trop quoi, ce sera pas pareil, ils vont faire une refonte. Bah en fait, dès que c'est passé en 2K, j'ai vu le changement direct et ça m'a pas plu. J'ai pas aimé le changement d'esthétique, le changement de... Ah, ça va être pas mal, hein. Moteur graphique bah, on verra. Des NBA. Donc, ouais, ça peut être pas mal du tout. On verra ce que ça peut donner. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Mm-hmm. Je sais pas si j'avais d'autres trucs à dire ou toi aussi. On a fait quoi ? Si t'avais d'autres trucs à dire ou pas. Ah, je croyais que t'avais dit on a fait le tour infernal par rapport à la tour infernale du jeu. Bah ouais, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Bah, j'essaie de réfléchir s'il y avait d'autres trucs qu'on pourrait dire dessus. Mais j'ai pas l'impression, je pense qu'on a un peu tout dit. Encore une fois, bravo, chapeau, félicitations. Incroyable. Plus pour lui, c'est très très important notre validation. Ah ouais, parce que c'est faut que ces jeux-là marchent, parce que sinon, vu que c'est des studios indépendants, si ces jeux-là marchent pas, bah ouais, c'est. De toute façon, ils marchent clairement. Eux, depuis qu'ils ont fait Way Out, que ça a plu à tellement de gens, et là, qui a gagné le GOTY, c'est bon, eux, ils sont calés. Hein. En plus, ça lui a fait une belle revanche, parce qu'il avait eu il y a eu un drama autour de It Takes Two et Take Two, parce que Take Two. Ouais. L'éditeur de Rockstar, ils avaient porté plainte parce qu'ils disaient que le jeu ressemblait trop à leur nom. C'est n'importe c'est quoi même, ça. C'est quand même un peu vrai, mais c'est abusé. Et ouais, c'est abusé. Et là, du coup, bah, le fait qu'il ait gagné le GOTY, ça a fait une belle revanche. Comme si Google il portait plainte contre le mot lunette en anglais. Ouais, voilà. Ou le mot Google. Ou Google, ouais, exactement. Google, il se ressemble trop à Google. Hop, c'est n'importe quoi, c'était toute une question de juste pour faire de l'argent facilement. Un studio indépendant, honteux. Honteux. Et voilà. Bon, bah écoutez, pour ceux qui vont regarder la rediff,
Et s'il y en a qui ont regardé tout le Cave Club en entier, je vous remercie, on vous remercie tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a passé un excellent moment. Ah bah oui, on a bien rigolé, on a bien rigolé, non ? Le premier soir avec les bouteilles, le lendemain, je sais plus. Et, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Le dernier truc, moi, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est le nombre de références à tous les jeux et tous les films qu'il y a et qui sont super. Parce qu'on peut se dire, oui, c'est copié, c'est plagié sur ça. Mais non, c'est super bien fait, c'est super bien imbriqué. 18,5. C'est super bien fait, c'est super bien imbriqué. Et à aucun moment tu te dis ah putain il a copié sur ça, il a copié sur ci. Quand t'as une référence qui arrive devant toi, devant tes yeux, tu dis ah ouais mais il a repris ça, mais il le fait d'une façon. Par exemple je reprends les clous qui sont, c'est clairement tu as repris de God of War 2018 avec la hache, tu vois. Mais c'est super, enfin de faire ça de cette façon, c'est super marrant, tu vois. C'est en pas. Il y avait ça ou le bouclier de Captain America que t'envoies aussi qui passe aussi. Ouais. 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 Et puis tu vois, il y a eu référence, bah, les références à Zelda, les références à Mario, l'Easter egg bah, sur A Way Out, on a du God of War, on a du même au niveau des films, tu vois, moi il y avait du quoi, du Interstellar, du 2001 dans la phase vers sur la fin là, j'ai ressenti du BioShock Infinite aussi sur le côté un peu oiseau métallique sur le niveau de l'horloge. Ah ouais, ou Dishonored aussi. Et sur la ville où il y avait justement la tour infernale. Dishonored aussi. Donc tu vois, il y a plein de références. FIFA. Tu vois, c'est un peu un melting pot de plein de références jeux vidéo et cinéma, mais qui sont super bien intégrés dans le jeu, tu vois. Il les a super bien intégrés, c'est super bien c'est vraiment intelligent comment il les a mis dans le jeu. Et c'est pour ça ouais, t'as un petit sourire à chaque fois que tu vois une petite référence, ça te fait sourire et puis, franchement non, c'est grave cool. Alors, je voulais finir du coup sur le niveau qu'on a préféré chacun, enfin, le monde qu'on a préféré, le boss qu'on a préféré et le gameplay qu'on a préféré. Gameplay, ça veut dire quelle façon de jouer, quelle mécanique t'as préféré utiliser, t'as préféré utiliser dans le jeu. Attends, je vais quand même retourner sur les niveaux pour. Ouais, moi je vais relancer le jeu pour revoir, c'est vrai. Pour me remémorer. Voilà. Un petit top de ce qu'on a préféré, et puis bon, on s'arrêtera là. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chapitres. Hein. C'est surtout la chambre de Rose, laisse tomber quoi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 niveaux sur la chambre de Rose. Il y a combien de niveaux en tout ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Il y a 37 niveaux quand même. Hein. Mm. C'est quand même pas mal. Hein. Non, le jeu est vraiment généreux. Le jeu est vraiment généreux surtout. Le contenu est énorme. Il y a vraiment un contenu de ouf. Ouais, c'est trop dur, gros, les questions là. Alors. Niveau. Moi, je pense qu'on y. Ton monde préféré, non, voilà, entre l'abri. Quand tu dis niveau, c'est chapitre. Chapitre. Ouais, okay. L'abri de jardin, l'arbre, la chambre de rose, la pendule, boule à neige, le jardin ou le grenier. C'est trop dur. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas trop facile. Dur, mais je sais peut-être. Ah ouais, mais c'est trop dur. C'est trop dur, pourquoi ? Parce que dans l'arbre, je trouve ça trop beau. L'arbre, l'intérieur, je trouve ça vraiment magnifique. Après, avec le truc du delta, enfin de l'avion, machin, l'abeille. Et la chambre de rose où t'as les dinosaures, t'enchaînes bateau, t'enchaînes cirque, t'enchaînes donjons et dragons. La reine que tu défonces super méchamment, c'est trop fort. Ah, franchement, je me remémore plein. On parlait de références, mais je me remémore plein de trucs là. Tu vois, Jurassic Park, Donjons et Dragons, c'était ça du coup. Donjons et Dragons, le grand bleu là avec la baleine. Et attends, bah c'est ça, bon, c'est celui-là alors. C'était magnifique. Ça. C'était magnifique. Celui-là, c'était dans quoi ? C'était bien dans. Je sais plus. Attends.
truc avec la baleine. Dans l'arbre. C'était, ah, c'était avec le scarabée. Donc c'était dans l'arbre. Juste après le scarabée, donc c'était l'arbre. Moi j'hésite entre l'arbre et Ah, c'est vrai que les trucs de temps, je trouvais ça stylé quand même. Ah, les environnements ils sont beaux. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc toi, tu prendrais quoi? Tu prendrais l'arbre? Ce serait ton truc préféré, ça? Ton monde préféré? Là, quand je regarde l'arbre, là, les trucs... Ouais, l'arbre. Allez, l'arbre. Ok. Bon, en tout cas, déjà, c'est sûr que c'est pas le grenier et c'est pas le boule à neige. Ça, c'est sûr et certain. Bon, le jardin, j'ai bien aimé, mais... Ah, j'ai bien aimé la boule à neige quand même. Ça joue entre la pendule à coucou et l'arbre. La chambre de Rose, il y avait quand même pas mal de trucs. Hein. Au final, c'est justement trop de trucs différents, tu vois. Même si c'est que des jouets. C'est pas une identité, j'ai envie de dire. La pendule, ah, la pendule à coucou, c'est un délire, bordel. Bon, allez, je vais dire l'arbre aussi, parce que je pense que c'est le niveau qui m'a où j'ai le plus de réaction, je pense. C'est celui qu'on a fait en premier, ça, le premier stream. Hein. Ah bah ouais, on l'a fait premier stream. Ouais, je pense que c'est sur l'arbre où j'ai le plus on s'était, de... On s'était arrêté à la marelle. Ouais, bah ouais. Je vais dire l'arbre aussi. L'arbre aussi, franchement, c'était... Il y avait ça, il y avait boss. Du coup, ouais, donc on a l'arbre chacun au niveau de la façon de jouer. C'est quoi que t'as préféré ouais, en termes de gameplay, est-ce que t'as préféré... Eh ben, gameplay, j'ai envie de dire... Ça va peut-être être... Ouais, je pense que ça va étonner. Et au final, c'est les aimants. Les aimants ? Ouais. Ouais, bah, tu vois, j'y pensais parce que c'est le truc qui se rapproche le plus de... Bah, au final, du couple, quoi, tu vois. Moi, c'est très coop, ouais, ouais. Les aimants qui s'attirent et tout... Bon, après, quand il pense, avec le clou, j'aurais pas pu réussir sans toi non plus. Dans l'arbre, c'était quoi? C'était toi t'envoyais, et puis... L'arbre, c'est j'avais un canon et à miel, et toi, t'avais les allumettes. Après, la chambre d'euro, c'était quoi déjà? On avait... Qu'est-ce qu'on avait dans la chambre de Rose? On avait rien de particulier. En fait, c'était à chaque petit niveau, on avait des armes... La pendule à coucou, c'était l'horloge, on remontait le temps. Ah, la poule à neige, c'était ça, mais une fois qu'on en est sorti, on l'avait plus. La chambre de... Le grand chapiteau, il n'y avait rien, il était une fois, il n'y avait rien. Donjon et dragon, bah, c'était les pouvoirs. Ouais. Ah, c'était pas mal. Ça c'est ouf aussi de le. Tu parles de Donjons et Dragons, mais ce que j'ai trouvé ouf aussi, c'est le comment le jeu il arrive à te faire passer d'un jeu 3D à un jeu 2D à un jeu en vue isométrique comme ça la Donjons et Dragons. J'ai trouvé ça ouf. Comment ça ça passe d'un truc à l'autre comme ça super fluide. Mais ouais, meilleur gameplay les aimants. Les aimants. Moi, je pense que je vais prendre. Allez, les aimants aussi, les aimants. J'hésitais entre le truc de temps là. Ouais, moi aussi, mais. Mais c'est vrai que les aimants, je trouve que ça correspond plus à l'état d'esprit du couple. Ouais, qui essaye de se recoller, machin. Ouais. Ouais, c'est plus en adéquation. Bah, par contre, le coup des clous là. J'ai vraiment trouvé ça hyper fun. J'ai plus pris de plaisir à acheter des clous dans des planches de bois que tuer des mecs avec des épées dans certains jeux. Donc ça, franchement, ouais. Après, au niveau des boss, quel boss t'as... Ça va être Joy? Non. Non, même pas? Non. Moi, c'est un peu compliqué, moi, au niveau des boss. J'ai déjà ma réponse, mais... Parce que moi, Joy, je l'ai trouvé bien, mais le combat, c'est tout le temps le même. Ouais. Et en termes de design, d'originalité. Hein. Mais il y a la référence à Tekken aussi.
sur l'avion, j'avais oublié, c'était incroyable. Toi, sur l'avion. Ou à un moment ou avec l'écureuil où je me bats contre l'écureuil et que toi tu conduis. Ah oui, ouais, Street Fighter plutôt. Bah ouais, Tekken, Street Fighter, ouais. Et c'est plus Street Fighter, ouais. Oui, pardon. Non, mais c'est ouf les références, et moi, mon c'est un truc préféré, de fou. Mon boss préféré, c'est la guêpe. La guêpe ? Ouais. En tout, ton boss préféré de tout Bah, moi, c'est un peu compliqué. Ouais, en fait, j'hésitais entre la guêpe et le... La comment ? La boîte à outils. Bah, c'est... Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que tu cites les trois boss que je voulais citer. Mais c'est un peu bizarre parce que, en fait, les trois, je les aime sur trois aspects particuliers. Vois, en termes de design, pour moi, c'est Joy, donc la plante, okay. Qui est la meilleure. En termes de mise en scène de combat, j'ai préféré le combat de la guêpe. Ouais. Mais en termes de combat pur... Si on parle de pattern, de combat, etc. T'as raison. J'ai préféré le combat de la caisse. T'as raison, mais je préfère le design de la guêpe, moi. Joy. Ouais, moi, j'ai préféré Joy en termes de design. Je trouve que c'est la plus stylée. Ouais. Donc ouais, j'hésite entre ça et la boîte à outils, mais je pense que quoique la boîte à outils, c'était pas mal, c'était épique. Ah ouais, mais en termes de combat, il y avait vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment ouf. Mais la guêpe, c'était plus épique parce que genre, t'allais derrière, t'avais des murs de... Ouais, c'est ça. T'avais les rails et tout, il y avait plus... La mise en scène était plus impressionnante dans ce combat, tu vois. Moi, c'est guêpe. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment... Je sais pas si j'ai vraiment un boss préféré... mais ouais, si vraiment je devais en choisir un, je dirais. Allez, je dirais la boîte à outils. Sinon, on aurait été d'accord sur tout. La boîte à outils pour le combat. Et voilà. La boîte à outils. Du coup, l'aspi. L'arbre. Par contre, alors, ouais, le niveau de l'aspi, mais pas le boss. Avec les tuyaux, j'ai kiffé. Ouais, non, franchement, ouais. Bah, le premier niveau, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment les trois premiers mondes, hein, ou les deux premiers. C'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné. L'abri de jardin, l'arbre et la chambre de rose. C'est vraiment les trois niveaux qui m'ont le plus impressionné. Ouais, ouais. Et non, franchement, ouais. Parce que c'est ouf. Ce qui est ouf, c'est que... on a commencé à jouer et en même pas une heure de jeu, c'était déjà aussi... Il y avait déjà autant de diversité, autant de trucs différents, alors que ça faisait même pas une heure qu'on jouait, quoi. Et c'est à partir de là, je me suis rendu compte du truc. Je me suis dit, non, mais c'est... C'est un truc de fou, tu vois. La ref à Nemo. Ouais, la ref à Nemo aussi. Et je me suis dit, si ça continue comme ça jusqu'à la fin, mais c'est énorme. Et en fait, c'est ça, tu vois. Jusqu'à la fin, ça s'arrête pas. Ça change tout le temps, tout est différent, et voilà. Du coup, bah, le monde de l'arbre, tous les deux, les aimants, et toi, si tu pars sur l'abeille, et moi, ce serait plus la caisse à outils. Donc comme quoi, tu vois, c'est pas forcément... on est plutôt d'accord sur les choses qu'on a préférées dans le jeu, au final. Je suis en train de repenser au fait que je suis effectivement déçu qu'il n'y ait pas eu de boss final. Ouais, bah... Parce qu'en fait, on est trop spectateur. C'est ça. Moi, j'aurais voulu un boss final. Vraiment un gros boss final de fin. Quitte... Bah, je pense que, officieusement, c'était le serpent géant, le boss final. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de combat, quoi. C'était que du script et tout, tu vois. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir un vrai combat contre le serpent géant. Tu vois, au moins si on est ou sur alors, des rails. Tu te bats contre Dr. Hakim. Je sais pas pour quelle raison. Ouais, peut-être. Peut-être. Dr. Hakim, écoute, la dernière étape, il aurait dit ah, si vous voulez vraiment retrouver votre forme humaine, il va falloir me battre dans un truc. Et ouais, voilà. Ou même le serpent, tu vois, comme je disais, même si on est sur des rails, au moins peut-être qu'on aurait pu essayer de, je sais pas, il aurait une petite barre de vie, on peut le toucher, on peut lui tirer dessus, enfin faire des trucs avec lui, quoi. Mmh. Donc quoi, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de boss final, quoi. Ça m'a un peu déçu, final, ça, j'avoue. C'est un peu un film, t'attends et t'es beau, hein, c'est beau, mais bon, ouais. À la limite, tiens, un combat pour le... récupérer la foule, ouais, contre le serpent, et à un moment donné, il fait tomber May. Et du coup, il y a une référence à Spider-Man, un truc comme ça, je sais pas, un autre truc. Là. Eh, je te jure, j'aurais cliqué. Mais ouais, mais c'est intelligent ce que tu dis. Quand elle fait son concert, imagine le serpent, d'un coup, il débarque et tout.
il débarque du sol, un truc comme ça, et du coup, toi, t'es prisonnière du serpent, et t'as Cody qui doit y aller en mode super-héros et tout, pour essayer de sauver May, quoi. Ça aurait été sympa. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis de boss, c'est un peu bizarre, mais bon. Peut-être qu'ils voulaient pas de grand, grand méchant final, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Mais masterclass. Ouais. Bon bah écoutez, là on a vraiment fait le tour, je pense. On a vraiment tout dit, moi en tout cas, j'ai plus rien à dire du tout. Donc oui, merci à ceux qui regardent la rediffusion, qui vont regarder, s'il y en a qui regardent tout le gameplay sur YouTube. Merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et s'il y en a qui sont venus s'en parler aussi, on sait jamais. Ouais aussi, hein. On sait qu'il y en a, hein, des fois on voit, hein. Il y en a qui passent comme ça, ils regardent quelques instants. Et ça fait toujours plaisir, hein, même s'il n'y a pas de message ou pas de trucs comme ça. C'est toujours plaisir, les gens qui viennent jeter un petit coup d'œil. En tout cas, j'espère que ceux qui sont passés m'ont vu battre Ben un mini-jeu. Voilà. T'as eu plus de victoires que moi sur les mini-jeux, du coup. Je suis pas sûr, mais... Moi, j'ai regardé, on était à 22 et moi, je suis à 16. Ah bah, je suis meilleur. Ouais. Ok, bah donc voilà, on va s'arrêter là, et puis écoutez, on se retrouve assez vite, je sais pas quand exactement, mais j'espère. Toute façon, en 2022, je pense que ça va y aller beaucoup au niveau du stream, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui sortent, et ça a l'air d'être des bons jeux qui vont sortir, donc je pense qu'au niveau stream, il y aura pas mal. Donc voilà, on est toujours on est le 2 janvier, donc je vous re-souhaite une bonne année encore une fois. Je sais pas quand les parties seront uploadées sur YouTube, mais bonne année à tous encore une fois. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, salut. Adieu.